Je me suis engagé dans les troupes de montagne parce que, après avoir passé mes tests, on m'a dit que je pouvais aller là où je voulais. Et j'ai choisi les troupes de montagne parce que justement j'avais des connaissances dans l'armée qui m'ont conseillé de m'y engager. On m'a dit que c'était vraiment une troupe d'élite et qu'on allait faire beaucoup de choses, apprendre énormément de choses et s'entraîner. Alors avant de rentrer dans l'armée, je ne pratiquais pas du tout la montagne. Je faisais du sport, oui, mais la montagne pour moi c'était vraiment le niveau zéro absolu. Je pensais que j'avais pas du tout le niveau physique. Pour moi, personnellement, j'étais une chèvre physiquement parlant et pourtant j'ai réussi et j'y suis. Alors depuis que je me suis engagé, bientôt 3 ans, j'ai passé mon BSM, qui est le brevet skieur militaire, et mon BAM, brevet d'alpinisme militaire. Alors le passage de ces brevets m'a permis de prendre une confiance en moi, d'avoir également confiance en mes camarades, parce qu'il y a l'esprit de cordée. N'importe quel jeune peut rentrer dans la troupe de montagne à partir du moment où il a une condition physique correcte, qu'il a la détermination et l'envie d'apprendre et de s'entraîner. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes qui veulent s'engager, déjà, premièrement, ça serait de rester motivé et déterminé et donner le meilleur de soi-même. Et que du bonheur.